On va vous présenter un super produit. En plus, le ciel, il commence à se couvrir, donc il faudra être dans le noir après. Et c'est le Crafuel. Une super lampe. Et une super lampe que Jérém va vous présenter. Alors, on a choisi un mannequin, c'est moi. Voilà. Voilà cette lampe. Alors, ça fait un moment que je la teste, déjà. On l'a testé dans les travaux. Et là, on la teste en van life. Du coup, avec les copains au soir, on prépare un petit truc ici. Voilà. Ici, on a un pied, libre avec. Et du coup, en hauteur, le pied fait... Voilà, 1m80. 1m80? On arrive au maximum, je crois, 1m80. Ici, on a une lampe. Alors, la particularité de la lampe, c'est qu'elle est aussi détachable. Et les deux fonctionnent séparément. Donc ici, avec les aimants et un petit crochet, on peut s'en servir pour éclairer notre éclairage. Et celle-ci, pour la laisser sur pied fixe. Donc là, je vérifie qu'elle est bien fixée. Il ne faut pas la faire tomber. Hop. Ici, il y a deux petits ergots. Je viens fixer dedans et en fait derrière il y a un panneau solaire. Hop. Donc à l'intérieur du petit sac, il y a aussi un cordon de charge si on veut charger sur secteur avec un USB et trois sardines. Ah oui, comme ça s'il y a du vent, ça ne risque pas de tomber. Ok. Un sac qui est super bien renforcé, donc vraiment très très bien. Donc ici, une longue pression, on l'allume. Il y a plusieurs niveaux d'éclairage, donc même là qui fait jour, on voit quand même bien. Et du coup, cette partie-ci est aussi détachable. On peut la mettre ailleurs. Ici, on pourrait s'en servir tout le temps de l'arbre. Ouais, comme ça on a deux parties, deux zones. Ah là, il est pas pour être bien. On a un petit crochet pour le mettre dessus, j'arrive pas à l'enlever, j'ai pas d'ongle. Je vais m'en servir avec ici. Donc les piquets font tout. Il faut même ouvrir le petit clips. Puis ça c'est mobile. Donc là, on va prendre une petite branche. C'est pas mal, comme ça éclaire tout le terrain. On verra bien ce soir quand vraiment le ciel il va être vraiment couché. Ouais, on fera voir que. Un petit test comme ça. Et en plus, on peut éteindre les deux ou changer la luminosité des deux. Ok. Donc, et du coup, je vais. Ça produit vraiment pas mal. Et puis, il y a une mode aussi SOS. Je pense qu'on s'en servira pas de cette mode SOS. J'espère pas. Ce qu'on va faire voir, c'est le panneau solaire parce que moi, je suis pas assez grande. Vas-y. Ah. Alors nous, on s'en est pas mal servi déjà, donc elle est peut-être un petit peu sale. Et ouais, du coup... Attends, je te baisse ça. Le panneau solaire, oui. Si tu peux expliquer le petit USB et tout ça, je vois que... Hop. J'éteins la lumière. Donc ici, on a la belle présentation. Donc c'est de l'IP44 pour les projections. Donc ici, on a de quoi la faire recharger aussi. Hop, avec ce petit cordon que je vous ai fait là. Je m'en suis servi dans le camion quand on avait besoin de décharge rapide pour nous travailler. C'est un câble à peu près de la longueur de combien? 1 mètre. 1 mètre. Ça, le petit bouton et le petit panneau solaire. Donc 3,7 volts, 500 milliampères. Et on a la portable, elle fait 3,7 volts, 3600 mAh en batterie. C'est pas mal pour une petite gamme de produits comme ça, c'est très bien. Vraiment pas mal, quoi. Et on sait qu'on se n'est servi et elle faisait combien en charge? Alors, en utilisation, nous, en travaillant en maximum,
on dure 6 heures dessus. Ouais, 6 heures. Mais à l'éclairer, fort, on l'a mis à fond parce qu'il fallait... Et après, 6 heures, c'est largement pour ce qu'on va faire, nous. Bah, largement. Bah, après, on n'est pas toute une nuit complète non plus dehors. Après, hein. On peut diminuer la puissance, en fait, quand on veut durer toute la nuit, si on veut durer toute la nuit. Mais... même pour bricoler, je me suis servi de la petite pour bricoler en dessous. La petite, allez, j'ai duré peut-être 4 heures, 5 heures. Donc, c'est vachement pareil. Donc, ça, on peut le dire parce qu'on l'a bien testé. En fait, elle nous a bien servi. Donc on peut dire que c'est un produit qui fonctionne vraiment bien. C'est assez robuste. Après, les plastiques sont qualité. Donc ça, c'est ce qu'on a apprécié. Et puis, le pied, en fait, tout est réglable. Donc on n'est pas obligé de le mettre si haut. Hein. Et puis, Ouais, si on ne sait jamais si on mange. Comme là, on voit bien, regarde, c'est la table. Hop. Qu'on est ici. On va se mettre sur le côté ici. Attends, hop. Je vais enlever les sardines. On a fait un petit coin avec palette. C'est large en fait, en hauteur, c'est tout est réglable. Donc on a ça aussi qui peut s'enlever et se tourner. Donc on peut complètement sortir ça directement pour tourner. Je vais pas perdre la vis, je vais la remettre tout de suite. Ouais, et puis bah, dès qu'il fait noir, on va faire voir comment ça éclaire bien. Mais sinon après ça reste un très très bon produit. Alors là, ça y est, on va allumer, vu qu'il fait noir, on va allumer la lampe. Première lumière. Deuxième. Et troisième, mode full. Ouais, ça éclaire vraiment une grande partie, comme vous voyez là. Attends, je décroche ça, ma garde. Tu vois ? On a toujours la même lumière ici. On est bien visible partout. Ouais, c'est vrai que ça éclaire très très loin. Je vais me mettre par derrière. Vous allez voir comment ça éclaire. Là, ça brille peut-être de ton côté. Ouais, ça brille. Mais regarde là, tu vois vachement bien. Ouais. On n'avait pas encore testé sur de l'extérieur comme ça, non ? Bah, il faisait pas encore tout à fait bien noir. C'est pour ça que je voulais quand même la tester. Et c'est vrai que là, bah, où est-ce qu'on serait pour... Tu vois bien les arbres et tout à l'intérieur, si je coupe, bah... Ouais, que là, vraiment, on garde... Même pour au niveau de où est-ce qu'on mangerait au soir ou qu'on se repose, bah hop, c'est top. Et puis raccrocher, c'est un aimant. Par contre, et hop. J'ai plein les yeux là. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça éclaire vraiment très très fort. Ah là, c'est vraiment. Tu vas avoir une petite lumière déjà, une petite lumière, t'en as bien assez. Encore moins. Voilà, vous avez vu ça, le flash que ça peut faire. Donc même si un coup vous êtes en danger, bah, vous en mettez le flash. SOS. SOS. Voilà. Donc voilà. Voilà pour cela, c'était vraiment validé comme produit. Ouais, si c'est bien.